D'abord à la 7e édition des Journées des Vins d'Excellence, placée sur la thématique de cultiver l'humain à travers l'intelligence plurielle. J'ai le plaisir et l'honneur de modérer la première table ronde qui tourne autour de la thématique de la Grande École. Il y a parmi vous de nombreux élèves qui ont comme projet aujourd'hui peut-être de passer à la grande école via les classes préparatoires, ou peut-être moyennant d'autres voies de recrutement qui sont possibles, et de nombreux élèves parmi vous ne les connaissent point, d'où cette table ronde, d'abord pour un objectif assez simple, assez concret, c'est de vous informer. Donc la première de ces dimensions, l'un de ces principaux objectifs, c'est de mettre à votre disposition l'information nécessaire pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'une grande école, quelles options vous donne-t-elle, et comment y accéder, et pour quel projet. La thématique de l'année n'apporte qu'un éclairage global, afin que l'on puisse effectivement comprendre si le sens que je veux donner à ma vie coïncide avec l'âme et l'identité de la grande école, et est-ce que cette grande école va me permettre de réaliser ce sens-là. Nous avons, pour nous accompagner dans cette réflexion, trois personnes et trois personnalités qui représentent de très très grandes écoles ou qui ont vécu l'expérience de l'école, de la grande école, et qui sont aujourd'hui en entreprise. Je vais leur laisser la parole pour se présenter rapidement. Et bien sûr, nous allons commencer par Madame Nadia Diaz, s'il vous plaît, une présentation rapide pour que ces élèves puissent vous connaître. Donc, je suis effectivement Nadia Diaz, directrice générale du groupe ISCAE. Et en fait, je suis aussi lauréate de l'ISCAE Casablanca en 1991, option finance. Donc je suis venue avec ma double casquette, effectivement. Donc on fait le tour d'abord, puis après on se prononce par rapport à la lecture du thème. Allez-y, allez-y, après madame. Allez-y, présentez-vous. Et bonjour à tous. Donc Hassan Bailly, je suis le président directeur général de la société IBM. Je crois que vous connaissez IBM, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Donc je vais partager quand même avec vous mon parcours. Et étudiant comme vous, après des études supérieures et après des choix dans la vie. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Kelly Marara. Et actuellement, je suis un directeur du développement des ressources humaines. J'ai une carrière qui pourrait éventuellement vous intéresser sur les éléments du conseil que vous demanderez. Longue carrière de recruteur et de développement de compétences au niveau de l'Académie du Grand Port. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc mon nom est Thierry Sémieux. Je dirige le campus de l'ESSEC à Rabat, qui a ouvert en septembre dernier. Et je suis professeur titulaire de la chaire Entrepreneuriat Social à l'ESSEC. Et je suis à l'ESSEC depuis 23 ans. Et je travaille malheureusement depuis 36 ans. Merci. Merci beaucoup, madame, messieurs. La table ronde est placée sous l'intitulé que vous voyez devant vous, qui tente de mettre en relation la grande école et l'idée d'un mouvement vers une économie intelligente, plurielle et collective. L'intitulé met en relation l'idée de la grande école avec la problématique de sa mission et de son projet. Pas uniquement en tant qu'institution de formation, mais aussi en tant qu'institution humaine, appartenant à un environnement et devant de ce fait participer, non pas à de la diplomation uniquement, ou à la formation de cadres, mais aussi à la transmission de valeurs, à la formation d'hommes et de femmes qui peuvent donner du sens à leur vie, et qui peuvent être porteurs aussi d'une dynamique
qui pourrait bénéficier à l'ensemble de la communauté. Qu'est-ce que pour vous la grande école est-elle simplement ce lieu en forme des cadres ou doit-elle être autre chose? La parole est à vous. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour le choix de la thématique, parce que ça nous ramène à des concepts, à des paradigmes actuels qui sont discutés lors de pratiquement toutes les conférences internationales des business schools. Donc lorsque je rencontre des présidents, directeurs généraux ou doyens de business schools, tout le monde parle aujourd'hui en termes d'impact, parle en termes de diversité, en termes d'inclusion, d'éthique, qui sont des thématiques tout à fait liées à ce dont nous sommes en train de parler, l'objet de notre rencontre, qui est l'intelligence plurielle et l'intelligence collective, parce que par essence, la business school, ou bien ce qu'on appelle le business education, est une industrie collaborative, par essence. Je tiens aussi à vous remercier de m'avoir invité, parce que c'est l'occasion pour moi de présenter un modèle de réussite d'un établissement public marocain pionnier dans l'innovation pédagogique, un établissement tel que l'ISCAE qui a été créé en 1971 par Feu le roi Hassan II pour justement répondre à des besoins croissants en cadre dirigeant et manager. Et un établissement donc public qui a fait ses preuves et qui est resté, et qui je pense restera de par sa mission sociale, d'ascenseur social, restera une, malgré des hauts et des bas, restera quand même la référence et la preuve qu'il peut y avoir un modèle de business school 100% marocain performant qui arrive à maintenir la qualité. Alors, ma lecture de la thématique, pour revenir à cela, quand on parle d'intelligence plurielle, il est clair que ça consiste à mettre en avant des différentes formes d'intelligence rationnelle, émotionnelle, intuitive, sensorielle, imaginative, créative. Et donc, dans une business school, parce que c'est ça le but, justement, nous parlons... D'abord, il faut reconnaître cette intelligence plurielle. Il faut la valoriser en termes de diversité, mais aussi de singularité, pour permettre à chaque étudiant ensuite de développer tous ses potentiels et toutes ses formes d'intelligence grâce à l'interaction avec les autres. On parle dans une business school du savoir, du savoir-faire, qui sont beaucoup plus du domaine du technique, de la connaissance encyclopédique, mais il y a également les savoir-être et les savoir-vivre qui relèvent davantage de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Et puisque donc on va du général au particulier, à l'ISCAE, depuis que lorsque j'ai intégré en tant qu'étudiante, c'est-à-dire en 1987, nous étions pionniers, peut-être pas dans le monde, mais en tout cas dans l'application de ces concepts au Maroc, parce qu'il y avait justement des gens qui venaient de toutes les régions du Maroc. Il y avait une diversité des genres, avec des bacs marocains, des bacs français, des personnes qui... de la diversité des genres, des origines géographiques, des pays d'Afrique. Il y avait également le développement de l'intelligence collective, qui est finalement quoi? Qui est l'interaction des différents membres pour créer une synergie. Donc, et cette synergie qui est supposée donner des résultats plus performants que la somme des parties, travaillant isolément. Et à l'ISCAE, à ce moment-là, il y avait le travail en équipe. Donc j'arrivais du système public, hein. J'ai fait le lycée Chaoré, sciences maths. Donc en arrivant, il y avait des études de cas, il y avait des exposés, il y avait du travail collaboratif, peut-être pas... Et donc là, j'ai l'expert IBM où il y a évidemment tout le travail collaboratif basé sur la technologie. Mais nous avions quand même un travail collaboratif qui est très intéressant. Puis après, on pourrait après dire dans quelle mesure ce travail peut aboutir à du collaboratif.
collectif ou collaboratif. J'ai juste une demande, Madame Piens. Il faudrait leur dire comment y arriver. D'accord. Et je l'entends, les écoles qui se présentent sont toutes excellentes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces petits jeunes. Je voudrais qu'ils partent de cette salle avec au moins la certitude d'avoir eu un logiciel comportemental leur permettant de dire demain, je vais appliquer ce que cette dame et ces messieurs m'ont dit. S'il vous plaît, je vais... Oui, monsieur Sibiot, merci beaucoup, je vous redonnerai la parole. On va faire circuler la parole pendant toute la table. Alistair. Écoutez, pour répondre à votre question très concrète, il y a trois façons pour rentrer dans une grande école. La première, c'est travailler. La deuxième, c'est travailler. Et la troisième, c'est travailler. Alors, travailler quoi ? D'abord, travailler... Tous ceux qui vous disent qu'ils sont entrés par hasard, comme ça, parce qu'ils étaient doués, sûrement ils étaient doués sans avoir travaillé, soit ils vous racontent des histoires, soit ils constituent toute petite minorité, tant mieux pour eux, qui ont réussi leurs études sans travailler, soit ils ont eu beaucoup de chance. Donc plutôt que de vous en remettre à la statistique, la première idée, c'est travailler quoi ? C'est travailler les matières scolaires, c'est travailler les matières de connaissances cognitives, parce que même si nous valorisons dans les grandes écoles et dans les écoles de commerce les différentes formes d'intelligence que ma collègue rappelait il y a un instant, la base aujourd'hui des recrutements, la base pour intégrer ces grandes écoles, c'est le travail que vous faites au lycée, c'est les matières que vous étudiez au jour le jour, et c'est l'acquisition et l'entraînement à l'effort. Il y a un deuxième travail à faire, c'est, et ça a été dit également par ma collègue, c'est la capacité à interagir avec les autres. Comment est-ce que je me comporte dans une collectivité ? Comment est-ce que je me comporte face à un professeur ? Comment est-ce que je me comporte avec mes camarades et mes petits camarades de classe dans les travaux de groupe, dans les cours de récréation, dans les espaces de socialisation qui existent dans les établissements ? Autrement dit, comment je suis capable d'établir une relation constructive, positive, avec celles et ceux qui m'entourent, et sachant qu'on ne parle pas pareil au directeur, au professeur, et on ne parle pas de la même façon que celle que l'on utilise pour parler à ses collègues, à ses frères et sœurs, ou à d'autres personnes. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est cette capacité relationnelle, cette intelligence de la situation. Et puis la troisième idée, c'est autour de la connaissance de l'environnement. Une grande école, bien sûr, et comme vous l'avez dit, monsieur, délivre un diplôme. Délivre un diplôme, c'est certain, et c'est, j'ai envie de dire, la condition nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, au-delà du diplôme, ce diplôme, il va vous servir pour vous mouvoir dans un monde qui est multiple, qui est complexe, qui est divers, et donc cette curiosité qu'il convient de développer, elle vous sera très très utile et très importante pour la suite des événements. Alors une fois que vous avez travaillé, là, vous avez des modalités, je pense que vous avez des stands au-dessus dans lesquels toutes les écoles qui sont présentes vous expliquent comment on peut, de façon précise et technique, intégrer leur cursus. Et ainsi, vous avez, sur la base de votre travail, la possibilité d'intégrer. On sera ravis de vous accueillir, si vous êtes bon. Donc, ça n'a pas été préparé, mais là, le déroulement nous permet d'avoir des interventions complémentaires. Madame Biaz a planté théoriquement et vous a expliqué effectivement a planté le décor, a expliqué les catégories d'intelligence. Je vous remercie pour cela. Ce Sibiot a ramené cela à la réalité de la grande école, ce qu'elle exige de vous. Et je voudrais aller dans le même sens du prolongement de la continuation. Monsieur Bahenj va nous parler de ce que l'entreprise attend de ce jeune qui sortirait de l'école. Quelle intelligence doit-il avoir pour construire avec les autres un projet que vous menez, que mène l'entreprise, autour de valeurs qui sont essentielles, afin de créer, de produire de la valeur au sein de l'entreprise et autour de l'entreprise. Merci beaucoup. Tout à fait, c'est un bon sujet, c'est une très bonne question.
Tout d'abord, je reviens à ce qui a été dit avant, il faut travailler, mais il faut travailler intelligemment. Parce que travailler toute la journée sans résultat, ce n'est pas intéressant. Donc, moi, les conseils que je donne, c'est que d'abord, il faut s'épanouir sur ce qu'on fait. Quand vous travaillez, je pense à chacune de vous, vous avez une idée de ce que vous voulez faire dans le futur. Donc, c'est le moment de prendre le temps et de bien réfléchir, de savoir vraiment quelle orientation. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous dire rentrer dans telle école ou pas. Mais par contre, je vais répondre à la question, quelles sont les caractéristiques et les profils des gens aujourd'hui qui trouvent facilement du travail au niveau de l'entreprise. Parce qu'avant tout, on fait des études pour s'épanouir, en même temps pour gagner sa vie et se développer au niveau de son avenir. Donc la première caractéristique, c'est la curiosité. Il faut vraiment être curieux aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à aller au fond des choses, se préparer. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la collaboration. Déjà, quand vous êtes étudiant, il faut que vous appreniez à travailler en commun. Parce qu'en général, quand vous êtes dans une entreprise, même si vous êtes très très brillant, si vous avez un caractère isolé ou vous travaillez dans votre coin, vous n'avez pas d'avenir. Donc il faut travailler ce côté collaboration avec les gens, essayer d'être à l'écoute. Il faut toujours accepter la différence, accepter la diversité, que ce soit garçon, fille, ou de couleur, je veux dire, vraiment, il faut que vous soyez dans une culture, principalement quand vous travaillez dans des entreprises internationales, une culture de diversité, d'inclusion. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est un peu mon rôle, parce que moi, j'ai démarré mes études, je pense que même vos parents, moi, j'ai eu mon bac en 81. Donc, vous voyez un petit peu, c'est assez, il y a plus de dizaines d'années. Et à l'époque, il y avait justement, on n'avait pas ce type de forum où on écoute des professionnels qui viennent nous expliquer. On avait juste des gens qui disent, voilà, l'informatique. En 81, je devais faire médecine, pour rien vous cacher. Depuis mon jeune âge, je dis médecine, d'ailleurs, j'ai passé les concours, je les ai eus, mais finalement, j'ai fini par aller faire de l'informatique. Et c'est, en fait, c'est mon sentiment, au fond de moi-même, je me suis dit, écoute, c'est nouveau, c'est des ordinateurs, et c'était en 81, donc on a commencé à travailler sur des Casio, c'est plus les tablettes que vous avez, les facilités. Donc là, juste pour résumer que le choix de votre carrière, c'est à vous de le définir. Mais la quatrième dimension que je voulais dire, c'est que l'IT, les nouvelles technologies, doivent être vraiment au fond de vos pensées. Parce que l'intelligence artificielle, elle est là. L'intelligence augmentée. Il y a des outils de cloud, des choses qui vont bouleverser même la façon dont vous allez apprendre. D'ailleurs, avec la présidente du groupe SKE, on est en train de travailler en partenariat pour justement mettre au sein des cursus, des formations qui sont à l'ère du cognitif. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas vous demander d'apprendre par cœur, mais plus comment utiliser des outils qui vous permettent de bien prendre une décision. Si vous êtes, par exemple, médecin demain, vous n'allez pas apprendre comme la médecine évolue. Vous avez des machines intelligentes avec de l'analytics et de la valeur, parce qu'il y a beaucoup de data, le big data, qui vont vous aider à faire le bon diagnostic et prendre les bonnes décisions. Si vous êtes dans un poste de direction commerciale, vous avez des outils qui vous permettent de connaître une vue 360 degrés sur vos clients pour pouvoir proposer des bons produits, des bonnes solutions pour vos clients. Donc vous allez toujours être dans une position où l'IT et les nouvelles technologies vont vous aider. Donc il faut vraiment, pour votre cursus, d'ailleurs dans toutes les écoles, partie du conseil consultatif de l'école EMM Lyon, parce qu'au niveau international, on a un partenariat avec EMM Lyon. Je pense qu'au niveau de l'ESSEC, pareil, parce que j'ai fait mon MBA à l'ESSEC il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vous avez besoin de cette curiosité, comme je disais, travailler en collaboration avec COPIR, et la dimension de nouvelles technologies à ne pas oublier. Voilà un peu les trois. Des choses à noter, car croyez-moi, ce sont des concepts, des valeurs, mais qui peuvent vous permettre véritablement d'avoir les briques
avec lesquels vous allez concrètement construire votre avenir. Ce qui est un peu navrant, je le vois toujours dans les salles, c'est que le jeune aujourd'hui ne note pas. Je vous invite, s'il vous plaît, à noter, car ceci pour vous, et gardez une trace, ça vous aidera, car ce qui se dit, c'est le fruit d'années d'études, mais aussi de longues années d'expérience qui vont vous permettre de faire l'économie de ces années-là. Donc notez, ça vous aidera certainement. Monsieur Amala a quelque chose de particulier, parce qu'il est la synthèse. Il peut effectivement parler de l'expérience de la grande école, qu'il connaît, mais aussi de l'expérience du gestionnaire des ressources humaines, qu'il pratique. Et il a ce regard qui permet le recul de celui qui sort de l'école, qui intègre une entreprise, et que l'entreprise, effectivement, découvre, soit qu'il est en phase, soit qu'il est déphasé par rapport à ses attentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette intelligence qu'il faut former au niveau de l'école, qu'il faut renforcer au niveau de l'entreprise pour que le profit puisse être une valeur aussi pour l'entreprise? Merci beaucoup. Merci. Je crois que tout a été dit avant moi, je vais simplement vous faire part de ma petite expérience et du rôle que j'ai reconnu au niveau de l'éducation. Mon travail, essentiellement, consiste à définir, à identifier pour l'école ce qu'aujourd'hui il est nécessaire de développer en termes de compétences. J'ai été longtemps au niveau du recrutement, une grande banque, et nous avons recruté tout type de profil. Cela allait des Bac plus 2, Bac plus 3, au master, ou bien évidemment aux ingénieurs. Et pour chacun d'eux, pour chacun de ces profils, nous essayons lors des commissions de recrutement, non pas d'évaluer simplement le QI, et je voulais vous rappeler quelque chose que l'on dit souvent dans les milieux. La mauvaise nouvelle, c'est que peut-être le QI, à un moment donné, arrive à stagnation, n'évolue plus. Et ce qui est attendu, c'est le développement d'un QE, le quotient émotionnel, cette intelligence émotionnelle qui fera toute la différence quand vous serez dans l'entreprise pour réaliser ou réussir, je l'espère pour chacun d'entre vous, votre parcours professionnel. Donc on s'intéresse davantage aujourd'hui à toutes les questions qui sont liées à l'intelligence émotionnelle. Cela démarre déjà au niveau d'une grande entreprise par la réalisation aujourd'hui d'inventaires de personnalité. On est beaucoup plus focus aujourd'hui sur l'inventaire de personnalité que sur un CV. Je pourrais même vous dire qu'aujourd'hui les CV se ressemblent et que globalement, parfois nous ne tenons pas compte du CV au sens où, en provenance d'une même école, ce n'est pas le CV qui fera la différence, mais ce sera la personnalité du candidat qui sera devant nous. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Une séquence de recrutement, par exemple, nous observons le comportement, nous observons son agilité intellectuelle, et nous observons aussi beaucoup, 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 et je crois que ça a été souligné tout à l'heure, les questions de curiosité intellectuelle, sa capacité à connaître beaucoup de sujets et d'évoluer lors d'un entretien, d'un point à l'autre, d'avoir un argumentaire sur cette question ou sur cette autre. Et c'est, je crois, le focus aujourd'hui que vous devez considérer, c'est le point essentiel aujourd'hui de nos opérations, de nos activités de recrutement. Nous ajoutons à ça un certain nombre d'éléments de type psychologique, psychométrique, nous avons des outils, des batteries que nous mettons en place. Le lien qu'il faut faire aujourd'hui avec une grande école, c'est que quand nous avons une jeune personne et que nous connaissons l'aboutissement finalement de ce processus, nous essayons d'intégrer tout au long des 2, 3, 4 ou 5 années durant lesquelles cet étudiant est avec nous dans une grande école, nous essayons d'intégrer au fil de l'eau les formations nécessaires pour le préparer en ce sens. Je vous donne un exemple, et on le disait tout à l'heure, l'intelligence individuelle a quelques critères fondamentaux pour qu'elle se développe. Il faut d'abord beaucoup de relations sociales, connaître du monde, pour pouvoir continuer à développer cette intelligence individuelle. Nous faisons ça, par exemple, dans une grande école. La grande école pour laquelle j'interviens participe de cela en invitant un certain nombre d'acteurs, de gens intéressants, et les étudiants peuvent échanger avec eux. De la même manière, vous avez tout ce qui est lecture. Et nous développons aujourd'hui des interventions pour ramener l'ensemble des étudiants, qui sont les nôtres, sur les différentes, aux différents niveaux qui sont les leurs, bien évidemment, première année, deuxième et troisième année, ne sont pas abordés de la même manière, mais nous travaillons à ce que, à chacun de ces niveaux, nous ayons des interventions qui permettent d'ouvrir leur focal intellectuel et de les amener demain devant une commission de recrutement avec toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir discuter et être à l'aise.
De la même façon, nous entendons beaucoup aujourd'hui, et ce qui est souvent demandé aux jeunes, c'est de réaliser, de définir leur parcours professionnel. Vous avez un parcours professionnel, vous avez des spécialistes, des psychologues qui vous demandent de travailler ce parcours professionnel pour essayer de vous mettre en perspective, en projection de quelque chose qui serait réellement le croisement de vos valeurs, de votre intérêt, du métier de demain. Mais qu'est-ce que nous demandons le plus quand nous faisons cette demande aux étudiants ? C'est d'aller sur le terrain, de ne pas imaginer ce parcours professionnel simplement sur un papier ou à travers des discussions avec des professeurs. On leur demande sciemment d'aller rencontrer de véritables opérateurs et de nous ramener des comptes rendus de leur rencontre avec ces opérateurs. Alors c'est un peu dans ces éléments très concrets, que j'essaie d'intervenir et que nous apportons un petit peu notre part à l'édifice de construction de ce que serait demain une intelligence plurielle au service, bien évidemment, à votre service. Réaliser au mieux votre passage dans la vie. Merci beaucoup. Je voudrais enchaîner sur le, pour permettre une réflexion sur le deuxième point avec Madame Biaz. Est-ce qu'il est possible d'avoir Madame Biaz d'expliquer à l'assistante la différence entre une intelligence collective et une intelligence collaborative? Et comment on peut apprendre à développer les aptitudes pour les deux? Merci beaucoup. Bien, alors, avant effectivement de dire comment pourrait se faire le passage d'une intelligence collaborative, collective vers une intelligence collaborative, je voudrais quand même revenir sur quelque chose de fondamental qui est la posture de l'apprenant. La responsabilité de chacun d'entre vous dans son auto-formation. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avec tout ce que nous avons dit aujourd'hui, l'information existe. Mais quel est le rôle de l'humain dans tout ça? Parce qu'il va falloir quand même, au fil du temps, prouver que vous pouvez... Il y a des choses que les machines font que vous ne pourrez pas faire avec la même rapidité, la même efficience, la même complexité. Mais en tant qu'humain, et je parlais tout à l'heure de singularité, vous avez ce quelque chose de singulier. Qui est ce discernement, cette capacité d'analyse, ce design thinking, cette créativité? Et votre posture est importante parce que vous devez vraiment vous mettre dans une position d'acteur du changement, d'acteur de votre transformation. En fait, les études supérieures, c'est une expérience transformative qui vous permet d'arriver de l'étape 1, je ne vais pas dire à l'étape 2, mais à l'étape 3. C'est quoi l'étape 1? L'étape 1, c'est ce qu'on appelle la dépendance. C'est l'étape du « tu ». « Tu fais pour moi, papa et maman font pour moi, ils me nourrissent, ils me portent, ils m'achètent, etc. » Puis après, vous passez au « je », l'indépendance, ou l'illusion de l'indépendance, parce que personne n'est véritablement indépendant et ne peut se passer des autres. Mais c'est le « je peux faire tout seul », etc., jusqu'au moment où votre liberté ou illusion de liberté est confrontée à votre responsabilité. Et là, vous dites, c'est pas le tu, c'est pas le je. La troisième étape, c'est le nous. C'est l'interdépendance. Et c'est à ça que je veux revenir quand on parle d'intelligence collective. C'est que finalement, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas en interdépendance et en interaction avec les autres. Et c'est pour ça que donc maintenant je fais le passage de l'intelligence collective vers l'intelligence collaborative qui est l'expression positive, constructive de l'intelligence collective. Mais attention, c'est sous condition de votre posture, sous condition que vous considériez l'école comme un facilitateur et non pas comme quelqu'un qui vient vous mâcher le travail. Donc on a parlé de travail, on a parlé de travail intelligent, mais il y a le travail personnel, le travail pertinent, en fait. Alors, première condition, c'est que vous vous passez dans cette posture. Deuxième condition, pour répondre à la question, passer du collectif au collaboratif, c'est que l'établissement doit reconnaître la diversité et la singularité pour éviter d'être dans l'uniformité. Attention, au contraire, reconnaître la diversité comme une richesse, c'est reconnaître la singularité de chacun, pour que chacun soit différent de l'autre. Je suis essentiellement prof de marketing, même si à l'ISCE j'ai fait de la finance, mais la différenciation,
est un élément très important de votre positionnement personnel. Qu'est-ce que j'ai de différent que les autres ne peuvent pas avoir? Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir. Autre condition, quand on est dans un travail collaboratif, c'est les conflits d'intérêts. Parfois, parce que quand on parle de travail collaboratif, attention, ce n'est pas que vous entre étudiants. Vous l'avez dit, monsieur Malin, il faut aussi travailler avec les autres, avec les entreprises, travailler avec les professeurs, travailler avec les membres de l'administration. Et en tant que directrice générale d'un établissement public, je peux vous dire que quand on travaille de manière collaborative, on est confronté au conflit d'intérêts. Parce que chacun a sa perception des choses. Vous allez être étudiant, vous allez toujours penser que vous n'avez pas les mêmes intérêts que les profs avec l'administration, ça je pense que les gens qui ont géré des business schools connaissent très bien cette... Il faut dissiper justement tout ça et faire converger. Nous avons les mêmes objectifs. Troisième élément important, c'est le respect des règles, des normes et des procédures. En tant que membre d'une communauté, pour pouvoir faire d'un travail, d'une intelligence collective, des résultats sur le plan collaboratif, il faut que vous acceptiez que dans un établissement auquel vous allez appartenir, il y a des règles. Et il y a un système d'évaluation de votre travail collaboratif et individuel. Autre condition, c'est l'inclusion. Donc en tant que futur étudiant, vous allez devoir vous faire représenter par des instances de représentation d'étudiants. Vous allez vous trouver dans des conseils d'établissement où vous allez vous trouver assis autour d'une table en tant que représentant des étudiants, avec représentant des profs, représentant en tout cas l'ISCAE dans le board, des personnalités du monde de l'entreprise, donc des présidents de banques, etc. Et vous allez devoir donner votre point de vue, votre perception, parce qu'au final, une business school, c'est un espace de collaboration, de co-création de la connaissance et pas de diffusion de la connaissance. Donc le respect des instances de gouvernance, mais également l'exercice du pouvoir va se poser. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, est-ce que ça veut dire, si on réfléchit de manière collective, qui va prendre la décision finale? Est-ce que ça veut dire... Donc tout ça, c'est des choses qui nous ramènent vers la connaissance des prérogatives de chacun, du respect de l'autre, du respect des points de vue, mais aussi du cadre légal et réglementaire auquel vous serez soumis et soumises. Et puis surtout, je pense que le dénominateur commun va être la boussole, qui est la vision de votre propre parcours, mais conformément à des valeurs communément acceptées par la communauté à laquelle vous appartenez. En l'occurrence, si vous êtes à l'ESSEC, au L'UM Lyon ou à l'ISCAE, vous appartenez à une communauté, vous allez adhérer à ces valeurs, à sa vision et sa mission, mais pas de manière aléatoire, parce que vous êtes membre des instances de gouvernance. Et parce que tout le monde est dans l'inclusion, et que chacune des écoles ici et ailleurs, chacune a sa mission, chacune a son positionnement, il faut y adhérer. Si c'est une école qui a comme mission, l'excellence n'est pas une mission, tout le monde vise l'excellence, mais plutôt à l'esprit entrepreneurial, avec une mission sociale, etc., ben il va falloir que tout converge et soit en alignement pour que le travail collaboratif ait un sens et ait un cap. Partir de ce que vous avez dit, Madame Biaz, et le problématiser en le mettant en relation avec les grandes écoles. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. La grande école veut un étudiant, une étudiante, auquel elle va inculquer l'idée de la compétition. Qu'il faut être le meilleur, être le premier, écraser tout le monde et arriver au haut, c'est ce qu'en tout cas, c'est peut-être le cas de l'école française, la grande école française, parce qu'elle est nourrie, je vais provoquer exprès M. Sibiot pour qu'il réagisse, elle est nourrie par une culture déjà préparée au niveau des classes préparatoires, où on forge des caractères pour qu'ils soient les meilleurs partout, et pour... peut-être qu'ils arrivent au sommet, mais sur les cadavres des autres. J'exagère le trait, M. Sibiol. La parole est à vous pour corriger.
Oui, à peine. Merci. Moi, j'adhère à beaucoup de choses qui ont été dites par ma collègue Nada Iscaël. C'est pas très étonnant parce qu'on appartient quand même tous à cette communauté des grandes écoles. Je résumerai et je rajouterai un élément très important pour le passage du collectif au collaboratif, c'est la notion de confiance. Car en fait, aujourd'hui, l'économie collaborative se développe d'abord et avant tout sur la base de l'établissement de relations de confiance entre différentes communautés. Et la question est de savoir comment est-ce que cette confiance se construit et comment surtout elle se maintient. Donc, dans une démarche de collaboration, il y a évidemment une question de confiance qui renvoie à votre propos sur les grandes écoles qui forment les étudiants à être les meilleurs. Ça, c'est vrai. Ça, on ne va pas le renier. Il y a une volonté d'excellence. Et d'ailleurs, je ne me suis pas caché de cette exigence en parlant de travail. Je l'ai fait exprès, j'aurais pu dire l'effort. Et je crois que c'est la condition. Maintenant, on peut très bien réussir sans écraser. On peut tout à fait, et je pense qu'un certain nombre de parents dans cette salle, même de personnes ici sur cette tribune, même vous, monsieur, incarne le fait qu'on peut réussir sans avoir à écraser ou sans être animé par un espèce d'esprit de compétition totalement aveugle. Et pourquoi je peux affirmer cela? Parce que, et ça a été évoqué tout à l'heure également, dans une école, on va vous proposer un certain nombre de valeurs. Et les écoles affichent ces valeurs au moment où elles se présentent aux étudiants. Et si je prends les quatre valeurs de l'ESSEC, il y a l'excellence. C'est presque plus une valeur. Si vous n'avez pas compris qu'il faut travailler, je change de métier parce que vraiment, je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Mais il y a ensuite trois autres choses. Il y a l'humanisme, il y a l'innovation et il y a la diversité. Donc tout ce qui tourne autour de l'humanisme, c'est ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure dans le deuxième axe de travail qui est le vôtre, c'est-à-dire cette capacité de la relation à l'autre, cette capacité de l'attention à l'autre. Qui, évidemment, suppose une forme d'exigence. Mais il est des exigences qui sont bienveillantes. Et dans une école, dans une grande école, vous allez trouver, le plus souvent, je vais parler de la mienne, celle que je connais le mieux, mais je pense que c'est une réalité, vous allez trouver une communauté de professeurs, d'administrateurs pédagogiques qui vont vous apporter cette exigence et cette bienveillance qui est un facteur et qui est un levier d'amélioration et d'enrichissement pour vous, in fine, et par rapport au parcours personnel que vous avez. Derrière l'humanisme, il y a aussi l'idée, et ça a été dit par le président d'IBM, d'aimer ce qu'on fait. Travailler, c'est effectivement pas une fin en soi, c'est un moyen. Après, la finalité, c'est d'aimer ce qu'on fait, de s'épanouir et de choisir sa voie. Pas parce que papa et maman vous ont dit qu'il fallait faire une prépa, pas parce que papa et maman vous ont dit ou les copains ou les copines vont en médecine, mais parce que c'est vraiment ce qui vous amène vous, et le travail que vous avez à faire là, la mission que vous avez à faire dans les 3-4 mois qui viennent, c'est de vous demander quels sont mes ressorts personnels, quelles sont mes envies, quelles sont mes attentes, quelles sont mes ambitions. Ensuite, vous avez la notion de diversité, ça a été dit à plusieurs reprises, et enfin la notion d'innovation, qui est il y a visiblement un mouvement de foule, il y a également la notion d'innovation, et l'innovation, elle passe dans nos grandes écoles par l'innovation pédagogique. Et l'essentiel de ce que nous avons à faire et ce que nous faisons est de proposer une pédagogie par l'action, ce qu'on appelle le learning by doing. Et donc c'est en faisant, comme ça vous a été dit tout à l'heure, que l'on va progresser. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je mets un peu d'ordre dans la salle, si vous me le permettez. S'il vous plaît, vous êtes en train de déranger la table ronde. Soit vous restez, soit vous sortez dans le calme, soit qu'ils en découvrent après. C'est un groupe qui a un cours qui doit partir. Mais faites-le rapidement, s'il vous plaît, et dans le silence. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Je voudrais revenir vers vous. Je crois que M. Sibion a répondu à la question, bon, qui était intentionnellement provocante et exagérée, caricaturale. Pour rappeler effectivement qu'une grande école n'est pas une fabrique de super-héros programmée pour détruire les autres afin d'être les premiers. C'est,
C'est une école qui est exigeante, mais qui forme des experts, de cadres de très haut niveau, mais aussi des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes. Je voudrais aller vers vous, Sibahej. On dit que, et c'est une théorie d'ailleurs dans les sciences humaines et sociales, que le secret de l'humanité, par rapport aux autres animaux par exemple, c'est d'avoir pu faire, à partir d'inconnus, une société soudée, et que le rapport entre ces inconnus est cimenté par la confiance. Est-ce que finalement cette fameuse intelligence collective de laquelle nous sommes en train de parler, est-ce qu'elle ne se réduit pas à cette équation? Installer de la confiance dans une structure qui est la grande école ou l'entreprise, entre des inconnus, en leur faisant partager un projet commun, des valeurs communes. Très bien. Je reviens sur quand même votre histoire de provocation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que il y a un profond besoin de restructurer l'enseignement dans sa globalité. Comme je l'ai expliqué, les nouvelles technologies vont avoir un impact assez important. Je pense si Macron a décidé de changer le système d'éducation et comment on éduque nos enfants, c'est qu'il y a des études qui étaient faites par des experts et le constat est là. Donc je pense qu'il faut être dans la dynamique de savoir s'adapter. Même pour les grandes écoles, je pense qu'il y a matière à revoir certaines choses et pas à rester sur l'acquis. Il y a des choses qui restent très traditionnelles. Maintenant, moi, je vais partager avec vous, parce que j'aimerais bien écouter la salle après, parce que c'est important d'avoir cette interaction. Pour un peu on va prendre encore 10 minutes et puis on passera à la salle. C'est important, parce que là, ils sont en train de prendre. Si vous voulez qu'on arrête maintenant... Non, moi je réponds, mais j'aimerais bien les écouter, parce que c'est hyper important de rapporter les réponses sur le terrain. Donc, moi, je reviens sur, par exemple, IBM, je gère, donc c'est plus de à peu près 600-700 personnes. Vous avez raison, le trust, comme on dit, la confiance, parce que ça a été dit par notre ami Karam, la confiance, le trust entre les gens est très très important. Donc moi j'ai fait justement des réunions spécifiques avec une commission spéciale pour travailler sur la confiance. Parce que cette confiance-là, si elle n'est pas établie entre tous les membres de mon équipe, il y a un problème. Parce que moi, je fais une action, après, ça a peut-être un impact sur vous, mais si je ne comprends pas ce qui vous dérange, il y a un problème. Donc, effectivement, on a mis en place vraiment un comité qui est constitué de deux types de... Parce qu'on a des ingénieurs techniques, commerciaux, marketing, et l'idée, c'est de sortir avec une feuille de route pour établir une charte au sein de l'entreprise pour dire, voilà, par exemple, il y a des mails qui s'envoient sans bonjour, ou des mails qui sont un peu agressifs que la personne ne sent pas, au lieu de prendre le téléphone, l'appeler, peut-être ça peut régler le problème, ou peut-être quand j'arrive, une place du parking qui a été pris pour des raisons... Il y a des petits détails qui font qu'il y a une tension qui se passe. C'est pourquoi dans une entreprise, et j'ai bien aimé le quotient émotionnel, c'est vrai que les directions de ressources humaines pour recruter les jeunes, parce que vous allez faire beaucoup d'études, vous allez travailler vraiment pour arriver à avoir votre diplôme. Et c'est pas fini. Croyez-moi, c'est le démarrage de la vie et c'est très très compliqué après de passer à trouver un job. Parce que quand vous allez chercher un travail, c'est quand même c'est votre personnalité, c'est votre diplôme bien entendu, mais ça ne suffit pas. Donc il y a la persévérance, il y a votre façon de votre curiosité et puis le côté émotionnel et surtout la personnalité. Donc moi je vous conseille, parce qu'on est là pour vous donner des conseils, de travailler ces éléments-là parce qu'ils sont très très importants. La confiance, faites la confiance à votre... travaillez sur un projet par exemple d'études, un projet que votre prof vous donne, faites confiance à l'équipe et mettez-les en valeur, essayez de travailler en collaboration. Je pense que c'est le secret de la réussite dans votre futur de travail. Voilà. Merci. Voilà, on va continuer dans la même lancée. Et je vais poser clairement ma question. Aujourd'hui, y a-t-il une école, une grande école, pour la vulnérabilité ?
y a-t-il une grande école qui pense la place de la résilience? Y a-t-il une grande école qui donne à ceux qui sont fragiles la possibilité aussi de se construire, de se développer et de s'imposer? Merci. Question bien difficile. J'essaierai de répondre non pas du côté de l'école, mais du côté de l'entreprise. Y a-t-il dans l'entreprise, jusqu'à la sortie des grandes écoles, ces gens, ces personnes, ces étudiants vont travailler? Donc j'inverse un petit peu votre question. Dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire quand nous avons effectivement des profils très différents, des profils parfois excellents mais vulnérables? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Alors, la question tout à l'heure que je posais, je me remets encore, je remets la casquette de responsable de recrutement. La vraie question que nous avons, quand nous avons un monsieur extrêmement brillant devant nous, c'est mais qu'est-ce qu'on va en faire dans 4 ans? Est-ce qu'il va tenir la route? Est-ce que cette brillance, cette capacité à travailler souvent seule, sera-t-elle utile à l'entreprise sur un horizon de 4 ou 5 ans? Effectivement, nous avons à ce moment-là des projecteurs qui s'allument, mais nous devons faire extrêmement attention à que cette personne ne finisse pas dans un entonnoir. Et c'est de là où elle va développer sa propre vulnérabilité, parce qu'elle n'aura plus d'autres possibilités que de continuer à travailler dans une entreprise dans la voie que nous considérons être excellente, mais souvent d'enfermement, c'est ce que nous appelons la voie des experts. Nous avons des gens extrêmement brillants qui ne sont incapables à terme de passer au stade de manager. Pourquoi? Parce que quand vous devenez manager, possibilité d'évolution professionnelle pour vous, vous avez un critère essentiel, c'est celui justement de donner de la confiance aux autres, qu'ils croient en vous pour continuer à travailler de manière collaborative. Donc on fait un petit peu la boucle entre les gens extrêmement brillants sortis des grandes écoles, avec les excellentes notes, souvent avec un tonus, mais également une volonté compétitive. Enfin, je reprends le mot aveugle, vous avez dit qu'il a écrasé tout le monde, mais ces gens-là, à long terme, peuvent-ils réussir en entreprise? Ma réponse est clairement non, parce qu'il faut les prendre en charge très tôt, sinon ils vont complètement vers un mur, s'enfermer, et effectivement attirer des inimitiés très profondes dans l'entreprise qui seront des freins à leur propre évolution. Alors finalement, quand vous dites de vulnérabilité, dans les grandes écoles, c'est de préparer justement les jeunes étudiants à comprendre qu'ils vont travailler avec les autres, qu'ils ne vont jamais travailler tout seuls. Quel que soit votre niveau de performance, vous êtes amené à travailler avec un certain nombre de personnes. Et le jeu, je pense que un jeu pédagogique qui est livré en grande entreprise, en grande école souvent, c'est le jeu des si vous étiez seul sur une île déserte, et si vous étiez seul sur la lune, etc. Et c'est quelque chose qui est très classique dans les écoles de management. On fait faire ces tests à ces jeunes gens. Les jeunes gens brillants essayent de résoudre le problème tout seul en se disant, si je me retrouve tout seul sur une île, voici exactement les éléments qu'il me faudrait. Et puis quand on met une équipe en collectif pour travailler sur le même sujet, généralement et très souvent, les résultats sont nettement meilleurs. On les rapproche aux grands experts en la matière que ne sont pas ces jeunes étudiants, et leurs résultats sont très proches des meilleurs en la matière. Donc le travail collaboratif est essentiel. Nos formations à l'entreprise sont en train de prendre de plus en plus compte de cela. Et l'intérêt dans les grandes écoles, c'est d'introduire cela dès la première, deuxième, troisième année, parce qu'ils se trouvent tout à fait pris en sorte. Merci beaucoup. Monsieur Sibiod a demandé la parole ensuite, Madame Biaz, et je crois qu'on passera après aux questions. Merci. Voilà. Trois éléments brefs de réponse par rapport à votre question très importante sur la vulnérabilité et la question de la résilience. La première chose, c'est effectivement de se demander avant quelle est la voie dans laquelle on est le plus à l'aise, de se dire que de toute façon, chaque étudiant, même le plus fort, même le plus brillant, a sa marge et sa petite partie de vulnérabilité et de fragilité. Donc, dans les grandes écoles, il y a les classes préparatoires, okay, c'est entre guillemets, je vais déguiver la voie royale aujourd'hui encore. Il y a aussi d'autres façons, d'autres études, d'autres parcours qui permettent à un jeune de s'épanouir et de se réaliser. Il est donc essentiel de réfléchir à cela dès maintenant. C'était le sens de ce que je voulais vous partager tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, pour rassurer M. le Président, il y a même toutes les grandes écoles qui sont complètement assises sur leurs acquis. Et puisque vous parliez du Président de la République française, le ministre de l'Éducation nationale actuel, qui donc pilote la réflexion autour de l'évolution du système d'enseignement, a été le directeur général de l'ESSEC pendant 4 ans. Donc on est relativement en phase, et au moins à l'ESSEC, on est relativement et spontanément en phase avec la voie qu'il impulse en tant que responsable du système, qui repose effectivement sur notamment tout ce qui est développement de MOOC, notamment tout ce qui est développement de ce qu'on appelle la blended formation, blended learning, qui combine du présentiel, de la formation en ligne, ce qu'on appelle aussi l'event learning, c'est-à-dire on organise des événements au travers desquels les étudiants peuvent, et
apprendre, comme le hackathon, comme les start-up week-end, enfin, toutes ces formes de pédagogie qui se développent dans nos écoles. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je voudrais vous dire que, alors c'est vrai dans beaucoup de grandes écoles, mais c'est particulièrement vrai à l'ESSEC. Moi, depuis 15 ans, j'ai créé une chaire qui s'appelle la chaire entrepreneuriat social, qui précisément permet aux étudiants de réfléchir au fait que le monde n'est pas composé uniquement d'éléments financiers, le monde n'est pas composé uniquement de succès et de réussite, mais qu'il y a d'autres éléments à intégrer dans la vie d'entreprise, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce qu'on appelle donc toutes ces questions de la performance extra-financière. Et alors l'ESSEC a été pionnière, puisqu'il y a 16 ans, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, de plus en plus, les grandes écoles intègrent dans leur formation, dans leur programme, cette prise en compte de l'environnement, et tout particulièrement de la vulnérabilité. Moi, à mes étudiants, je leur donne en lecture, en début d'année, un petit bouquin qui s'appelle « L'éloge de la faiblesse », Alexandre Jolien, c'est 63 pages, c'est un format A5, ça vous prendra 1h30 pour le lire, lisez-le, et vous verrez, vous en tirerez, si je peux me permettre, pour les parents aussi qui n'ont pas encore lu, ou qui n'auraient pas déjà lu, n'hésitez pas à lire parce que c'est un bouquin extrêmement intéressant. Mais simplement pour consolider ce que vient de vous conseiller M. Scott, sachez que c'est aussi une magnifique leçon de courage, parce que Faïma est venu au monde, Alexandre Jolien, avec moins de moyens que nous tous dans cette salle, et c'est l'un des plus grands philosophes actuellement, alors qu'il n'arrivait pas à écrire. Donc c'est une belle leçon de vie. Je passe la parole à madame pour répondre effectivement à cette question de vulnérabilité. Est-ce que les grandes écoles, entre nous, hein, disons-nous honnêtement les choses, est-ce qu'elles, outre le discours marketing, dans la réalité, est-ce que les écoles sont de type? Est-ce que les entreprises aussi le sont pour admettre en leur sein une humanité qui n'adre pas avec leur philosophie et leur vision du monde? Merci. Merci. Alors, vous savez, l'école de la vie nous ramène à plus d'humilité. Et cette idée de vulnérabilité, finalement, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que personne n'est à l'abri en ce qui concerne la vulnérabilité? On peut être sur une lancée, un événement de la vie, un incident peut nous ramener à une réalité, et à tout moment de la vie, la résilience pourrait s'établir. Mais comme la pauvreté relative, la vulnérabilité, madame, on n'est pas tous vulnérables de la même manière. De la même manière. Alors justement, moi je pense que l'école de commerce, et je vous ai dit tout à l'heure l'enseignement supérieur, est une occasion de faire un travail sur soi et de s'auto-accompagner et de se faire accompagner, justement. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de l'idée de confiance, et finalement, très souvent, les problèmes de confiance émanent d'un manque de confiance en soi. Et si on veut arriver, puisque la thématique c'est justement le collaboratif, c'est de trouver en chacun la singularité et la spécificité qui l'amène à être un membre d'une communauté et apporter ce qu'il est avec sa vulnérabilité, avec ses forces et ses faiblesses. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de cataloguer ou de dire cette personne est vulnérable et l'autre pas. Par contre, la volonté de faire un travail sur soi est quelque chose qui apprécie. Bon, après c'est plus facile à dire qu'à faire, et de toute manière quand vous êtes confronté à des milliers de dossiers de candidature, il est clair qu'il est difficile d'avoir des critères de sélection qui forcément ne vont pas privilégier certaines formes d'intelligence, ne serait-ce qu'au départ. Mais, et ça c'est le deuxième élément, et qui est un élément d'ailleurs qui a dicté notre changement de stratégie à l'ISCAE notamment, c'est qu'on s'est dit qu'il n'est jamais trop tard. Il y a des personnes qui intègrent en post-prépa, d'autres qui peuvent intégrer après le master, pour adhérer au cycle d'expertise comptable au doctorat, d'autres peuvent adhérer au niveau de la formation continue. Et à travers ce nouveau cycle licence post-bac,
nous avons multiplié les possibilités pour intégrer l'école, et en ouvrant les passerelles pour les licenciés pour entrer en deuxième année de grande école également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a son parcours, chacun à un moment donné de sa vie va être plus ou moins vulnérable, mais je pense qu'en gros, il y a toujours possibilité d'intégrer l'ISCAL ou autre, hein, d'ailleurs, on n'a pas l'exclusivité, mais c'est juste parce qu'on part du principe qu'on accepte le fait qu'à des moments différents du parcours, certains potes comme certaines vulnérabilités peuvent se manifester, certaines potentialités ou certains pics et d'expression de potentialité peuvent s'exprimer à un moment donné. Donc, et puis, dernier élément par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la vulnérabilité, le fait d'écraser ou de ne pas écraser les autres pour justement arriver à ses fins. Vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les mission statements, parce que c'est la grande mode avec les accréditations internationales, il y a quelque part le mot responsabilité ou éthique ou humanité. Parce que l'impact social est un élément fondamental. Et le fait d'avoir des projets d'impact social dans les business schools de manière générale, c'est quelque chose qui justement permet ou met l'étudiant en situation d'immersion pour comprendre que si lui est privilégié, si à un moment de sa vie, il arrive à avoir la force de surmonter, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense que cette histoire de vulnérabilité est au cœur de la problématique et ce n'est pas quelque chose qui est négligé dans les business schools. Donc demain, peut-être, prions pour qu'il y ait des chaires, des matières, des modules sur ces aspects-là humains. Elles y sont, hein. Elles y sont. Sur la vulnérabilité, la résilience. Oui. Développement personnel, Nous ne parlons pas de la même chose. Hein. Oui. Nous ne parlons pas de la même chose. Je sais que vous avez développement personnel. Je sais que l'ESSEC propose, en tout cas à Paris, propose effectivement des modules sur dans l'encadre de l'entrepreneuriat social qui intègrent cette problématique. Je sais que vos élèves, mieux que la théorie, vos élèves font beaucoup de travail à ce niveau-là, ça je le sais. Je sais aussi, je connais le modèle de l'EM Lyon et ça fait partie de sa philosophie et de ses actes. IBM porte une marque de responsabilité sociale un peu partout dans le monde, essentiellement en Afrique. Les activités sont très nombreuses. On va leur donner la parole, hein. On va leur donner la parole, prendre leurs questions. Libra et Soul Bel-Arabiya. Soul Bel-Arabiya. Soul Bel-Arabiya. Moi, je m'occuperai de M. Sibien, je vais lui traduire. Donc, si vous préférez parler, poser votre question en français, en anglais, en espagnol, on arrête là, parce que moi, je pourrais me débrouiller en espagnol. Voilà, mais j'y arrive pas, voilà. Donc, anglais, français, arabe, nous sommes preneurs. Allez-y, nous vous écoutons. Nous allons faire circuler des micros. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis bachelière scientifique à Emilia, option physique-chimie. Alors, ma question est la suivante. Si les deux principaux facteurs de motivation de l'homme moderne sont la recherche du profit et du pouvoir, comment faire pour l'amener à cultiver l'humain en lui et autour de lui? Merci. Là, c'est la thèse de... Excellente question. Il va falloir des années de réflexion. Allez-y, vous prenez la parole quand vous voulez. Je pense que ça rejoint un petit peu l'idée de responsabilité aussi dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que cette idée d'argent et de pouvoir doivent dépasser le cadre du tabou. Je pense que ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Il est clair que sans moyens financiers, ben, il n'y a pas possibilité de faire grand-chose. Sans pouvoir également, maintenant la question qui se pose, c'est celle de l'usage du pouvoir, de la source du pouvoir, de la répartition du pouvoir. Et je pense que dans une école de commerce, vous apprenez, en tant qu'étudiant, je l'ai dit tout à l'heure, à vous faire représenter justement, à faire entendre votre voix.
à assister, à être membre d'instances de gouvernance, puisque je vous ai dit tout à l'heure, dans un conseil d'établissement, des représentants du corps étudiantin s'assoient au même titre que les représentants de toutes les catégories de professeurs, de membres de l'administration, de personnalités étrangères qui sont des présidents et directeurs généraux de grandes entreprises. Donc là encore, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous devez être, vous aussi, acteur du changement. Dans quel sens et pourquoi on renvoie la balle aux autres en disant ce sont les écoles de commerce ou c'est le système qui fait que c'est le pouvoir et c'est l'argent qui fait la loi. Vous faites partie de ce système, vous faites partie de cette école. Et aujourd'hui, toutes les écoles sont dans un système d'inclusion qui permet à chacun de s'exprimer. Faites entendre votre voix par la raison, par l'humanité. Et je ne pense pas, personnellement, en tout cas, de ma connaissance de ce que je vis, vous pouvez me croire, le pouvoir, aujourd'hui, est un pouvoir négocié, même lorsqu'il est légitime. Le leadership est un leadership qu'il faut négocier tous les jours, par la compétence, la légitimité et la confiance, l'instauration de la confiance de manière permanente grâce à l'écoute. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu exploser ces tabous et être acteur du changement. Merci beaucoup, madame. Je vais avoir, mademoiselle, une réponse qui ressemble à celle de ma collègue avec quelques éléments. Il y a d'abord, effectivement, dans les écoles, les formations. Si je reprends la formation que nous donnons et les parcours que nous proposons aux étudiants de l'ESSEC, on travaille sur la combinaison, comment est-ce que les logiques économiques, sociales et environnementales peuvent se combiner au sein d'une organisation entrepreneuriale pour un monde meilleur. Donc on a toute une série de cours, toute une série de données, toute une série de travaux qui sont mis à la disposition des étudiants qui le souhaitent pour... donc réfléchir à la question que vous avez posée. Maintenant, ça rejoint l'idée du moyen, c'est que ce que vous avez demandé ne se décrète pas. Ce que vous avez affirmé, c'est-à-dire que les hommes doivent être moins assoiffés de pouvoir ou moins intéressés par l'argent, ne se décrète pas. C'est-à-dire que c'est le chemin de chacun et vous n'avez aucune obligation. Aucune obligation de n'être conduit que par le pouvoir et que par l'argent. Donc si vous individuellement... Votre projet personnel repose sur l'idée qu'il y a autre chose que le pouvoir et l'argent, un, dans les écoles, mais deux, dans l'entreprise, je suis sûr que vous trouverez un lieu dans lequel vous pourrez assumer vos convictions personnelles. La question, c'est d'être très clair sur ses propres convictions, donc d'avoir fait ce travail sur vous-même et sur vos motivations et sur vos aspirations par rapport à ce que doit être votre projet professionnel, personnel, et social, et de trouver ensuite les meilleures façons de traduire ces aspirations dans la réalité que vous vivrez, étant entendu que de toute façon vous ne maîtrisez pas tout, et qu'ensuite vous devrez faire face, ça a été évoqué par votre professeur de philosophie il y a un instant, aux avatars, aux éléments de la vie, vis-à-vis desquels nous espérons, nous vous aurons préparé à mieux réagir. Mieux, ça ne veut pas dire qu'il y a un bien et un mal, mieux réagir par rapport toujours à ce que sont vos aspirations et ce que sont vos motivations. Je vais être court parce que c'est une très bonne question. J'aimerais bien avoir plus de questions. Je vais être court. C'est vrai que le pouvoir, ça se prend. On a dit, madame, ça se prend grâce à ses compétences, leadership. Vous ne pouvez pas venir dire, voilà, je vais prendre le pouvoir. Donc ça, c'est hyper important. Quand vous êtes dans un groupe, qu'est-ce que vous apportez à ce groupe? Et d'office, vous développez votre leadership. Et le leadership vous met dans une position... pour vous accéder à des postes de responsabilité. Et l'argent, en fait, ce n'est pas une finalité. Quand on est étudiant, effectivement, on veut réussir sa vie, sa voiture, sa maison, ce qui est logique. Mais l'argent, en soi, ce n'est pas une finalité. D'abord, travaillez vos compétences pour le leadership, et le reste, ça vient tout seul. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je me présente, je suis un étudiant DAC, économie. J'ai une question qui est un peu intéressante. Est-ce que dans une école de commerce qui développe des cadres qui vont travailler dans des grandes entreprises, est-ce qu'on peut développer un profil d'un entrepreneur? Parce que dans un marché qui change du jour au lendemain et avec un accès à l'information, parce que je peux
avoir une auto-formation auprès de grands entrepreneurs dans le monde entier. Est-ce que cette école peut me donner une opportunité de se développer et avoir un profil d'entrepreneur? Est-ce que cette formation va refléter la réalité de ce marché? Merci. La question, pour un peu la simplifier, est-ce que la grande école peut former quelqu'un autrement? Voilà. La réponse est oui, absolument oui. Oui, absolument. Oui, absolument oui. Je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes écoles, vous connaîtrez la réponse dans quelques minutes, un certain nombre de dispositifs, au-delà des cours qui sont proposés, sont mis à la disposition des étudiants avec des incubateurs, avec des partenariats qui combinent des interventions de différents acteurs de l'écosystème dans lequel vous vous trouvez, bien entendu que bien sûr la formation dépend de la maturité de l'écosystème entrepreneurial dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes en France, au Maroc, au Sénégal, à Singapour ou à New York, les choses sont différentes en termes de maturité, en termes de diversité. Donc pour se former à l'entrepreneuriat, oui. La seule chose, c'est que moi j'ai lu des enquêtes, je ne sais pas si c'est vrai, mais les ambitions des jeunes gens, notamment au Maroc, sont plutôt tournées vers la grande entreprise et vers l'administration, qui constituent les deux, on va dire, les deux illustrations de la réussite. Et en grande école en France, il y a 15 ans en arrière, moins de 3% des jeunes gens rentraient en grande école avec le projet de créer une entreprise. Autrement dit, les parents pensaient, je te paye des études, c'est pas pour créer une entreprise, tu vas aller travailler chez McKinsey, chez IBM, chez L'Oréal, chez qui tu veux, dans les grandes boîtes, là, tu vas avoir un bon salaire et assurer ton avenir. Aujourd'hui, plus de 20% des étudiants qui rentrent à l'ESSEC affirment et évoquent comme possibilité pour leur projet professionnel la création d'entreprise. On est entre 7 et 8% de création en sortie. Pas énorme sur une promotion, mais qui est un chiffre qui est en augmentation, parce que créer une entreprise, c'est quand même très dur. On pense qu'on est son propre patron, qu'on est autonome, mais c'est très contraignant et très dur. Voilà ce que je peux vous partager. Tandis que, comme toutes les business schools aujourd'hui, est conscient de l'importance de l'entrepreneuriat, pas seulement comme alternative pour les personnes qui ne trouvent pas de l'emploi, mais comme véritable aboutissement d'une aspiration et d'un besoin d'exprimer une idée et de la transformer, une idée innovante et créative, en un projet. Et à l'ISKE, donc en l'occurrence, et comme a dit mon collègue, au-delà du dispositif d'enseignement dans lequel il y a prévu des cours intitulé entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial ou intrapreneurial, c'est-à-dire de développement d'esprit d'initiative de manière générale, est un élément aujourd'hui qui est transverse dans toutes les matières. Enfin, dans toutes les matières, l'étudiant est encouragé à se projeter dans un modèle où il serait amené à prendre des initiatives de manière intra ou entrepreneuriale. Au-delà de cela, il y a des associations justement qui permettent de rassembler des étudiants qui ont cette fibre entrepreneuriale, mais aussi une grande innovation à l'ISKE, et c'est une première, c'est que nous avons signé un partenariat, maintenant on sait public, avec BMC Bank pour construire au niveau de l'ISKE Casablanca un concept store et en même temps incubateur, et qui va, j'espère, aboutir, enfin, la convention a abouti, nous sommes en phase de construction pour démarrer la première cohorte et les présentations de projets à partir de la... avant la fin de l'année 2018. Et donc ça fait partie des grands projets, des grands paradigmes que l'ISKE, sur lesquels l'ISKE surfe actuellement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait à l'ordre du jour. Et les écoles de commerce marocaines ou les écoles de commerce au Maroc ne sont pas en marge de cette tendance. Moi je voudrais juste donner la parole, vraiment la vérité. Est-ce que
l'on peut apprendre à entreprendre. C'est une question vraiment honnête et spontanée. Comme la deuxième, est-ce qu'on peut apprendre à manager? Est-ce que ça s'enseigne? Sinon, tout le monde pourrait l'apprendre et tout le monde serait logiquement de manière cartésienne entrepreneur. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a autre chose. Vous qui êtes sur le terrain. C'est pourquoi je vous ai délaissé la salle poser des questions. Je trouve très très bonne question. C'est une question d'actualité. En fait, vous n'allez pas apprendre dans les écoles à entreprendre. Entreprendre, ça va être viscéral. C'est-à-dire que d'office, vous voyez que vous avez des idées et vous avez des projets. Parce que c'est bien d'intégrer des grandes écoles. Sincèrement, moi, avec ma carrière, si j'ai 20 ans, 30 ans en arrière, j'aurais fait d'entreprendre en arrière 100%. La chance que vous avez aujourd'hui, c'est que, encore une fois, vous avez des outils, des mécanismes actuels, d'ailleurs existants au Maroc, qui vous permettent d'entreprendre et je vous encourage à entreprendre. Sincèrement, parce que travailler dans une entreprise, c'est bien, mais entreprendre, c'est beaucoup mieux. C'est pas un échec, c'est le contraire. Et c'est ce qu'on cherche parce que vous, jeunes, vous créez des entreprises, donc vous cherchez, vous créez de l'emploi. Je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai reçu le maire de Fès. Donc c'est Azami, avec toute son équipe, donc je suis des AFES, j'ai pris le challenge de les aider à développer justement un technoparc pour justement les startups. C'est pourquoi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et pour juste votre information, à Casablanca, il y a déjà technoparc, 285 entreprises. C'est des entreprises qui ont les moyens aujourd'hui, on leur facilite la vie avec des banques et des aides. Le loyer, c'est 50 dirhams le mètre carré. Donc il y a des entreprises qui ont commencé, j'en ai visité encore hier avec le maire de Fès, une qui ont démarré il y a 10 ans à 3 personnes. On n'a pas la nommée Data Protect au niveau de la sécurité. Et aujourd'hui, ils sont 105 personnes avec plus de 85 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est un jeune comme vous, d'accord, qui a démarré un consultant et après il a cru, il a créé sa boîte avec deux personnes. Donc il y a beaucoup d'outils autour. Ici au Maroc, hein, il faut pas, il y a des incubateurs. Technopark, par exemple, ceux qui veulent aller dans l'IT, il y a ce qu'on appelle la factory. C'est des digital labs où, si vous avez des idées, même en tant qu'étudiant, vous les proposez. Il y a un site web pour entrer. Et votre, ils vous prennent, déjà, ils vous forment. En ce moment, il y a des gens de MIT qui sont là-bas et qui forment des jeunes. Façon de comprendre les risques, comment les prendre, etc. Je trouve ça, c'est formidable. Ils vous mettent un environnement sur l'intelligence artificielle, sur tous les domaines. Vous venez avec votre idée et vous êtes à la concrétiser et vous avez un investissement des banques. Donc il y a pas mal de banques, que ce soit CIH, Tijari, qui mettent jusqu'à 250 000 dirhams pour vous aider à monter votre entreprise. Donc c'est un sujet hyper important. Sincèrement, je suis content d'entendre. Et sachez également que là, je vais parler un peu d'Iber parce que c'est dans notre ADN, c'est de pousser à créer ces entreprises. On travaille avec toutes les grandes écoles, que ce soit Lyon avec l'ESSEC ou l'ESCAE, c'est d'inculquer, trouver le partenariat entre écoles et l'entreprise pour justement ces jeunes, on les ramène et on développe leurs idées. Alors comment on le fait? Je prends un exemple particulier. Des petites entreprises qui veulent se développer dans l'IT, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de petites. Vous êtes tous, vous avez vos tablettes, et aujourd'hui on a mis en cloud, on appelle la solution Bluebix, des outils qui vous permettent de développer votre application. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur, c'est des API, donc Application Protocol Interface, qui vous permettent d'accéder à tout service basé sur l'intelligence artificielle ou autre pour développer vos applications. On vous met à votre disposition des ressources, des ingénieurs qui vont vous aider à développer vos applications, que ce soit déjà commercialisable, et également vous ouvrez au niveau international le marché pour justement pousser vos solutions au niveau international. Donc c'est un sujet de concret et qui est réaliste, donc ici au Maroc. Donc je vous encourage vivement à entreprendre. Et on prend, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va prendre une autre question et clôture parce qu'il y a une table ronde, une demi-heure après, le temps qu'il prépare la salle et tout ça. Merci beaucoup, Serge. Très très court, juste simplement un élément d'expérimentation que vous pouvez partager avec vous.
la jeune demoiselle parlait tout à l'heure, c'est de valeur d'entreprise, notamment en parlant que le pouvoir se reflète également, c'est quelque chose sur lequel on devait prévenir les jeunes entre valeurs positives et négatives. Sur un attention assez important d'étudiants, j'ai travaillé ces questions-là. Et ce qui ressort, c'est que finalement, la valeur qui est portée par les étudiants n'est ni le coût du pouvoir, ni la dominance. Mais ce qui ressort le plus des étudiants avec lesquels j'ai travaillé, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est la curiosité d'esprit. C'est une valeur qui est ressortie chez la plupart des étudiants. Deuxième élément, c'est la liberté d'action. Ce qui porte les étudiants le plus souvent à l'école de Madame Alcambion, c'est cette liberté d'action, c'est cette liberté d'agir. C'est un peu comme disait monsieur, cette volonté d'aller peut-être demain vers l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas s'ils vont y aller, mais en tout cas, ils ont une attitude qui est positive par rapport à cela. Et ce sont des valeurs très fortes. L'intérêt pour autrui est revenu très souvent. Et ce sont des valeurs qui sont finalement relatives à la jeunesse, à ce que vous êtes. Vous entrez en entreprise, c'est ce que vous porte le plus, et je crois que j'étais véritablement très surpris de retrouver, très agréablement surpris de retrouver toutes ces valeurs au niveau de mes étudiants, ils écrivent à travers des questionnaires, des échantillons, etc. Et puis nous travaillons derrière pour améliorer un petit peu ça. Alors je voudrais réagir très rapidement, femme, sur la question du management. Est-ce qu'on est management? Est-ce que c'est inné ou pas? Je crois qu'on le devient, je prends mon exemple personnel. Vous avez la chance, à votre âge, et nous ne l'avions pas eu, très tôt, aussi bien au niveau de l'université que dans le monde du travail, d'être pris en charge grâce à des boîtes à outils. Et ces boîtes à outils vous diront sur quoi il faut travailler. Nous avons été managers, j'étais très tôt, et malheureusement, je n'ai pas eu cette possibilité de mettre le doigt sur ce que je devais travailler, de pouvoir regarder ce qui était une faiblesse chez moi. Je l'ai appris sur le terrain, peut-être avec aussi beaucoup de mauvaises, comment peut-on appeler cela, j'aurais pu m'améliorer très vite, avoir de bien meilleurs rendements. Vous avez cette chance aujourd'hui de pouvoir faire une introspection sur vous-même, de vous connaître, et comme je disais encore une fois, de disposer d'un certain nombre d'éléments permettant de réaliser sur vous cette introspection qui déterminera sur ce quoi vous devez travailler. Vous avez cette chance, ne la ratez pas. Merci. Bonjour, je suis Asma Jaraoui, une bachelière en filière sciences marines et biof. J'aimerais bien vous interroger à propos du fait que le diplôme de l'ISCAE, c'est très intéressant et remarquable, mais est-ce que cette formation facilite l'intégration au domaine du travail? Ainsi, une autre question, puisque nous sommes la première promotion qui aura l'accès à votre établissement, l'ISCAE, dès le bac, comment ça serait les concours, les tests oraux, les tests écrits, s'il vous plaît? Merci. Donc clairement, je m'y attendais bien à cette question, parce que c'est un programme nouveau, donc ça interpelle, et effectivement, on aura beau donner des informations, c'est pas assez. Donc oui, c'est vrai, c'est la première fois depuis notre temps, depuis les années 80. Je dis notre parce qu'il y a aussi avec moi Madame Bohemri, qui est directrice de l'ISCAE Casablanca, qui vient de nous rejoindre. Et parce que ce nouveau cycle licence va ouvrir à Casablanca, sachant que nous avons deux campus, Casablanca et Rabat sur le Maroc, et l'ISCAE Conakry, donc en Afrique. Donc effectivement, on était, à la base, nous étions une école post-bac. Et puis à un moment, on est revenu au cycle grande école, donc post-prépa. Maintenant, on va garder les deux en parallèle. Alors, on continue le cycle grande école. Donc ceux qui veulent faire les classes préparatoires et après postuler, entre autres, à l'ISCAE, avec d'autres peuvent le faire. Et il y a la possibilité de rentrer après le bac. Alors, votre première question, c'est l'employabilité et les débouchés après le bac. Je vous avoue que le diplôme de licence de l'ISCAE est effectivement, sur le plan international, un MBBA, mais la finalité de ce diplôme, c'est de poursuivre des études par la suite. C'est clairement pas se retrouver au bout de 3 ans sur le marché du travail. C'est ce qu'on appelle, c'est pas une licence professionnelle, c'est une licence fondamentale en sciences de gestion. C'est un diplôme national, c'est un diplôme d'État, extrêmement sélectif, qui va vous permettre de rentrer directement en Master 1, en M1, pour faire un M1, M2
soit au niveau de la grande école de l'ISCAE, donc il va y avoir un système de passerelle, donc ne pas faire le pré-master la première année de l'ISCAE, mais passer directement en deuxième année, mais bien sûr selon des conditions d'accès qui seront fixées par un texte, un décret passerelle. Mais il n'y a pas que l'ISCAE, il y a la possibilité d'aller dans d'autres écoles partenaires, et donc le partenariat exclusif le plus important pour ce cycle licence, c'est celui de la double diplomation avec le SCP Europe, qui n'est quand même pas des moindres, et directement en deuxième année de la grande école. Donc en fait, notre licence n'est pas l'équivalent d'un bachelor, mais c'est l'équivalent d'une préparation pour entrer en grande école de l'ESCP. Donc on a un certain nombre de places qui peut nous être réservées, sans que vous ayez à passer ni les classes préparatoires, ni le concours normal, avec un passage direct en deuxième année, et avec des tarifs préférentiels en plus. Donc, à part cela, vous pouvez parfaitement postuler pour d'autres grandes écoles en admission parallèle, en France, en Europe de manière générale ou ailleurs. Donc, la finalité n'est pas une finalité professionnelle. C'est une licence qui est faite pour des étudiants qui veulent aller plus loin. Alors, l'avantage, c'est juste que au lieu de faire deux années de prépa et peut-être vous retrouver sans rien du tout, vous allez faire trois ans. D'ailleurs, souvent on fait aussi trois ans et on se retrouve sans rien du tout. C'est juste que si vous faites trois ans à l'ISCAE et que vous réussissez de manière normale, vous aurez après trois ans un diplôme national. Et pour les étudiants qui veulent aller à l'étranger, ils vont partir, au lieu d'aller à 18 ans, ils vont partir à 21 ans. Pour les parents, je pense que c'est très très rassurant parce que leur enfant va partir avec en poche une licence et un peu plus de maturité. Donc c'est en fait retarder un petit peu le départ. Après, il peut y avoir plus de motivation. Ça peut être un tremplin pour ceux qui veulent aller à l'étranger, mais pas trop tôt. Ça peut être un tremplin pour rentrer à l'ISCAE. Ça peut être un tremplin pour faire un master et des études doctorales. Mais en tout cas, ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas une licence professionnelle. C'est une licence fondamentale qui prépare à des études supérieures plus longues. Après, au bout de tout ça, je pense que l'employabilité à l'ISCAE n'est pas un souci, parce que 95% des étudiants sont recrutés en stage avant même d'avoir leur diplôme. Donc ça, ce n'est pas du tout un souci, l'employabilité. Maintenant, c'est sélectif. Alors, vous m'avez posé une autre question sur comment y accéder. C'est très simple. Les inscriptions sont actuellement en cours. Donc, si vous rentrez sur le site, vous pouvez faire votre inscription en ligne. Après, il y a des délais que vous allez voir pour le dépôt du dossier physique sur place à l'ISCAE Casablanca. Il va y avoir une étape de présélection, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire passer le concours à tout le monde. Et puis, à partir de la présélection, il va y avoir un certain nombre d'étudiants qui vont être présélectionnés pour passer l'écrit. Et après l'écrit, il y a la phase de l'oral. Donc, effectivement, c'est un parcours assez costaud, et donc il faut travailler pour... Mais c'est la première année, rien n'est exclu, donc on n'a pas encore de visibilité sur les seuils. Merci. Donc nous allons, je vais donner la parole à M. Baïj, et nous allons conclure avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je voulais prendre cette occasion. Il y a combien de filles ici? Vous devez la main. Presque la moitié de la salle. Donc je vais vous aider aujourd'hui. Donc c'est la semaine ou la journée de la femme, c'était le 8 mars, la date de naissance d'ailleurs, mon anniversaire. Merci. Moi, au sein de l'entreprise, la diversité est très importante. Donc je me bats pour que j'ai un équilibre entre hommes et femmes au sein de l'entreprise, que ce soit pour des postes de responsabilité. Tout le monde, madame et messieurs qui sont là, dans les sélections que vous faites, merci de considérer la parité homme-femme. On est à 52%, nous on a le problème inverse, on est à 52%. Et moi je fais partie des gens qui pensent que les hommes qui ont fait voter la parité, c'est des hommes qui se sont dit on est sûr de garder au moins la moitié des places. Merci beaucoup. Moi ce que je peux vous dire, je suis professeur d'une classe particulière en prépa. Quand j'ai commencé, on l'appelle la XMP, elle forme les polytechniciens et les centraliens. Quand j'ai commencé à 25 ans, pendant 12 ans, je n'avais que des garçons. Aujourd'hui, j'ai deux tiers de filles et un tiers de garçons. Donc, moi, je
je vous dis une chose, les filles sont merveilleuses. Dans ce pays, c'est l'avenir. Les garçons sont intelligents, doivent revoir la posture et doivent demander à leurs parents que naître garçon, qu'ils arrêtent de leur inculquer l'idée que naître garçon dans une société, c'est avoir un avantage. Je voudrais en votre nom remercier Madame Bias, Monsieur Sibiot, Monsieur Barry, Monsieur Arnaud. Et concluant avec l'essentiel, vous avez votre baccalauréat. C'est la première étape. Il faut faire en sorte que ce premier pas soit sûr, soit une belle réussite. Pas uniquement au niveau des notes, mais au niveau du travail que vous allez consentir sur vous-même. Croyez-nous, je pourrais peut-être parler sous leur autorité. Le plus important dans la vie, c'est de voir l'école, le diplôme, juste comme un moyen pour créer du sens et donner du sens à votre vie. Et n'oubliez pas qu'elle ne se fera jamais seule. Vous n'êtes jamais seul dans cette vie. Je le dis toujours à mes étudiants. Regardez ceux qui sont derrière vous. Vous allez trouver 2 000 ou 3 000 personnes. Les parents, les médecins, l'épicier du coin, tout le monde contribue à votre bien-être. Soyez aussi parmi ceux qui vont contribuer au bien-être des autres. Merci beaucoup. Hassan Bahij, le président directeur général IBM Maroc. Je suis vraiment très content d'être ici, dans cette table ronde. Et le sujet qui était intéressant pour les élèves, c'est le travail collaboratif au collectif. Donc on a pu discuter et répondre à leurs questions. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que c'est une très très bonne initiative qui oriente un petit peu les jeunes vers ce qu'ils vont faire demain. Les leçons à retenir ou les recommandations, c'est aujourd'hui, on a parlé de l'autonomie, la curiosité et la confiance en soi. Travailler en groupe et préparer son avenir d'une façon sereine, de façon à trouver l'épanouissement de ce qu'on fait. Donc tous les métiers, ils sont bien. Et après, c'est la question avec laquelle vous gérez votre avenir. Que vous faites une école de commerce, une école d'ingénieur ou de la médecine, à la fin, ce qui est important, c'est comment vous allez vous sentir épanouir dans ce que vous faites. Voilà, merci. Assalamu alaikum, je suis un étudiant d'Ile, deuxième année économie. J'ai eu lieu à la 7e édition des journées ouvertes d'Ile Bilia. C'était merveilleux. Une expérience qui a les opportunités d'orientation qui en plus les tables rondes les fait nas مثلا كان رئيس الحكومه كانوا ناس دي ديريكتور اللي كيعطوك دي كونساي باش كتعرف اشنو تابعك من بعد واشنو خصك دير حتى باش تخدم باش دير اون انتربريز ديالك وبزاف ديال الحوايج سيتي اون اكسبيريونس اللي زوينه بزاف وتعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك تفهم علاش هاد الناس وصلوا علاش هاد الناس داروا هادشي كامل في حياتهم وكيفاش انت تقدر ديرو